On repart. Allègement toujours, les filles, mais on anticipe les départs. Ce Capitaine Run, on se parle à la fin, on régule tout ensemble. Il y a beaucoup plus de filles qui peuvent s'exprimer. Puis c'est une occasion vraiment de se ressouder, de se reconcentrer vraiment avant le début du match, parce que le discours avant le match est toujours particulier. C'est différent de la veille. S'il y a un seul objectif sur cet entraînement, un seul objectif, c'est de sortir avec le sourire. On se fait plaisir, on s'envoie. Là, on est sur ce qui nous plaît le plus. Notre groupe de 28 sur un carré d'herbe. C'est ça qui doit nous animer, c'est ça qui nous fait plaisir, c'est ça notre aventure humaine. On a vécu, on se l'est dit, il y aura des moments où on sera là, il y aura des moments où on sera un peu plus dans le creux de la vague. Ouais, eh bien ok, mais aujourd'hui, on se fait plaisir, on lâche les chevaux et on va chercher le sourire. On ressort de cet entraînement, on a le sourire. C'est l'occasion pour nous de répéter une dernière fois nos gammes, de répéter la stratégie qu'on va vouloir mettre en place sur le terrain. Et surtout, c'est l'occasion de le répéter qu'entre joueuses, le staff n'intervient pas, voire ou très très peu, et c'est un moment très particulier, un moment d'échange, un moment de communion entre nous, où vraiment on va sentir l'atmosphère pour le match du lendemain. Oui, les voyants sont ouverts, c'est sûr, on est dans notre ligne de conduite, deux matchs de victoire, ce qu'on voulait. Maintenant, on sait que ça va être un troisième match qui est capital, un match qui va être vraiment difficile. On voulait vraiment cette finale de la poule. On se l'est offerte. Maintenant, à nous de bien figurer dans ce match, parce que ça va être compliqué. Les Irlandaises ont fait deux matchs serrés. Elles sont chez elles. On va vraiment se battre contre une armée verte. Voilà, il y a quelques personnes qui sont venues nous voir, mais là, le stade va être plein de verts. Voilà, ça va être que nous. Ça va sentir vraiment la force du groupe sur ce match-là. Et c'est un match qu'on attend avec impatience.